Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, petite nouvelle vidéo sur Farming 19 sur la map Agri BZH. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la petite. Enfin, aujourd'hui, on se retrouve pour presser. Voilà. Oh putain, je vais faire des oublis partout, là, il va falloir tout que je rattrape. Aujourd'hui, on se retrouve sur la map Agri BZH pour l'épisode 17. Du coup, on va commencer à presser, il y a beaucoup de champs à faire. Je vais déposer la botte là. Alors, j'ai fait pas mal de choses en off, hein, je vais vous expliquer tout. Oh, putain de merde. Je vais vous expliquer tout ça d'ici 2 petites minutes. Tout d'abord, je voulais juste vous dire que. Alors, j'ai fauché le champ, tous les champs en foin que j'avais. Ceux que j'ai pas fauché, je les ai vendus. Parce que c'était des champs que je voulais plus. Donc j'en ai vendu un, il me semble, un ou deux, non, un je crois. Un. Comme ça, c'est un champ qui était assez chiant et pas trop accessible. Enfin, assez chiant à manœuvrer et tout ça, donc j'ai préféré le vendre. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup de rendement sur ce champ-là. C'est normal, j'ai fait pas une connerie, mais j'ai en gros. J'arrive pas à prendre ça. Hein. Non, bon, c'est pas grave. J'ai fauché une fois et j'ai fauché et je suis parti faire autre chose. Je me rappelle plus quoi. Bah, je crois que c'était la moisson. Voilà, je suis parti moissonner. Donc c'était dans. Vous l'aurez vu normalement dans l'un épisode. Je suis parti moissonner l'avoine et comme un putain où ça monte vite. Et comme un con, j'ai aussi accéléré le temps. Donc du coup, à mon avis, il va avoir pas mal de bottes. Donc dans ce champ-là et dans ce champ-là, il y a deux coupes. Donc c'est pour ça que si je fais 20 mètres, je suis déjà plein. Parce qu'il y a énormément de foin. Donc vous voyez, là, ça monte très très vite. Voilà. Donc je me suis fait un petit résumé de mon off. Parce que il y a des fois, j'ai peur d'oublier si entre deux vidéos, je prends un peu de temps à tourner. Donc j'ai fait à peu près 3 heures de off. Hein. Voilà, dans ce off. Putain. Dans ce off, j'ai pu faucher, faner et enduner tous les champs que je voulais. Voilà, donc là on va se retrouver, là on va presser et si on a le temps, on ira commencer à ranger des bottes. Voilà. Donc peut-être que je vais vous mettre un petit accéléré au milieu de petits accélérés au milieu de la vidéo pour terminer de presser. Voilà, hop. Donc aussi, je voulais faire aussi des modifications de mes champs d'herbe là, parce que. Je vais descendre là, ce sera plus simple. Je voulais faire une petite entrée ici pour pouvoir accéder à ce champ direct au lieu de faire tout le tour à chaque fois. Donc voilà, donc je ferai ça aussi dans le off, je pense, parce que c'est des trucs qui sont assez courts, assez cool à faire, enfin pas très très long à faire. Oh putain. Alors dans le off, j'ai pu aussi acheter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une faucheuse qui m'a coûté assez cher, une frontale de 20 000. Qu'une, je vais vite fait vous la montrer. Elle est là. Voilà. Donc une petite faucheuse qu'une 20 000 euros, elle m'a coûté. Voilà. Que je mets avec celle-ci devant. Enfin, en plus de l'autre. Comme ça, on va beaucoup plus vite à faucher. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la fauche, on était assez long parce qu'on avait que. Je sais plus combien elle fait. Elle fait 3 mètres, je crois. Je vais vite fait regarder ça. Elle faisait 4 mètres 3, donc maintenant on est à 7 mètres 5. Donc c'est vrai que ça va beaucoup mieux. On va un peu plus vite. Là, les champs, je les ai fait assez vite, je trouve, comparé à avant. Donc, aussi, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai vendu des céréales. Parce que vu que j'ai accéléré le temps, les céréales étaient beaucoup plus chères. Et du coup, j'ai tout vendu. J'ai presque tout vendu, hein, je vais vous montrer. Merde. J'ai vendu le blé, l'avoine et le colza. Donc voilà, j'ai tout vendu ça. Ah, c'est vrai que. Ouais, j'ai tout vendu. Ça m'a rapporté pas mal. Hein. Au total, je sais plus combien. Enfin, j'ai tout noté. Ça doit être marqué là. Revenus, les récoltes. Merde, c'était plus haut. Merde, je suis con, quoi, moi. Ah là, 51 000, voilà. Donc au niveau du blé, j'ai pas gagné grand chose parce qu'elle était à 400 euros la tonne, 430 euros tonne. Donc j'ai pas gagné grand chose parce qu'il y avait que 11 000 litres.
Voilà, ensuite l'avoine m'a rapporté, donc tout ce qu'on a pu faire en avoine, ça m'a rapporté 42 000 euros. Donc je trouve que c'était pas ouf ouf, mais que ça allait, on va dire. Oh putain, mais faut que je freine moi. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Là. Et au niveau après du colza, 7 000 litres, donc c'était correct, on va dire. Parce qu'il y avait quand même que 12 000 litres dans le machin, donc c'était pas mal en vrai. Hop. Et puis voilà, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fini de moissonner l'avoine qu'on avait fait en vidéo. J'ai terminé ce qu'il restait à faire. Merde. Le tournesol a bien poussé comme vous pouvez le voir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi fertilisé. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai aussi fertilisé tous les champs, enfin les deux champs en tournesol, je les ai fertilisés. Donc normalement, ils sont tous les deux à 100%. Voilà. Donc là, j'espère avoir un meilleur rendement que cette avoine qu'on a eu comme dans la, enfin, dans la récolte précédente. Parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai fait, il me semble. Donc, ce que je voulais faire aussi avec vous, on va aller le faire maintenant d'ailleurs. Hop, on va laisser le tracteur là. C'est comme vous le voyez, on a 43 000 et j'ai envie de m'acheter quelques petites vaches. Donc, on va aller se faire ça tout de suite. Donc, bien sûr, il va falloir que je les nourrisse parce qu'il y en aura plus. Donc, je m'occuperai de faire ça en off. Juste, je me rappelle plus c'est quoi comme race. Ok, c'est bon. Hop, donc on va en prendre une, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va en prendre 15. Donc normalement on doit en avoir 25. Voilà, impeccable. Je m'occuperai de tout ça en off. Et de tout ça en off, je pense. Ou peut-être dans le prochain épisode, peut-être on verra. Enfin peut-être pas le prochain, parce que le prochain je voulais m'occuper de récolter la paille. Voilà. J'ai aussi vu que à la ferme là-bas, donc au site secondaire, les vaches. Enfin, les bottes de foin que j'avais rangées comme il faut, enfin bien comme il faut, elles étaient toutes tombées, je sais pas comment. Je pense que ça doit être un bug quand j'ai déco de la partie. Donc c'est pas très très grave, hein, on l'utilisera comme ça, mais c'est vrai que il y a eu pas mal de bottes par terre. Donc j'essaierai d'y arranger en off aussi. Et puis voilà. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit accéléré de tout ça, et on se retrouve tout de suite. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never get.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, il y a eu un bon. La grosse partie de la vidéo, c'est du montage, de l'accéléré. Voilà, donc j'espère que ça aura plu. Je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc, on a bien avancé, hein. On a fini tous les ballots. Là, il y a tout qui est rentré. C'est vraiment très très propre. J'ai fait ça à peu près bien, je trouve. C'est bizarre, c'est que. C'est bizarre. Ça. On va peut-être pas trop y toucher. On va y laisser comme ça. voilà, donc c'est pas mal. Je rangerai tout ça dans le off. Je terminerai ce que je vais faire. Il y a des petites choses à faire encore. Mais j'ai rangé toutes les bottes. Il n'y a plus aucune botte qui sont dehors là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Et à liker. À liker et à vous abonner. Voilà. Ça fera extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!